Sur les pontons de Raiatea au petit matin, la quiétude et la sérénité ambiante pourraient presque surprendre. Alors que si l'on se replonge quelques heures en arrière, le contraste est tout simplement saisissant. La fête n'est pas finie, loin s'en faut. Les régates, elles, peuvent commencer. Les équipages sont impatients. Voilà, on attend le départ. Vous êtes prêts? Ouais, ça va, ouais. Thierry Ars, détendu et confiant dans son projet malgré l'inexpérience de son équipage. Ça va. C'est que des agents de l'OPT, l'Office des Postes. Voilà, on n'est que 4 à bord du bateau. Bon. Voilà, ça se passe bien. Ils n'ont jamais fait de voile. Donc je suis le seul à avoir un peu fait de voile. Et puis eux, ils apprennent. Là. Donc, ça se passe bien. Normalement, dans 5 minutes. Ça se passe bien aussi à bord du bateau comité pour Georges Corel, le directeur de course, au moment de lancer le départ du premier parcours banane. Et nous sommes aux premières loges pour le vérifier. 4, 3, 2, 1, départ! C'est un bon départ! Très vite, il apparaît que la journée va être belle pour Jean-Pierre Basse et son équipage qui nous livrent les clés de leur victoire sur cette première régate. Prendre un bon départ, faire des bords bien propres, remonter proprement, le plus court possible, pas faire de faute à l'envoi du spi et maintenir les gros derrière nous, c'était tout ce qu'on voulait. Glisser. Areareia va glisser de plus belle lors du parcours de ralliement entre Raiatea et Bora Bora. Si l'on s'en tient au décor, c'est no comment. Areareia est à nouveau le premier à couper la ligne d'arrivée à l'entrée du lagon de Bora Bora. Au classement Scratch, il devance le multicoque NJ Yacht Design et le monocoque Pacific Orto. Demain, au menu des festivités, l'entrée aura la consistance d'un parcours banane façon Bora Bora. Quant au plat de résistance, il aura un fort goût de ralliement en direction de Taha.